Au milieu du Pacifique, navigue un fin voilier, la sterne fuligineuse. C'est un paradoxe vivant que cette voyageuse. Un oiseau marin qui ne mouille jamais ses ailes, de peur de se noyer. Pour ses haltes ou ses amours, elle se pose parfois sur des îles fumantes perdues dans l'océan. Pourquoi ce choix ? Il faut chercher la réponse à plusieurs kilomètres sous la surface, dans les abysses. Sur ces fonds montagneux vit la crevette d'Alvin. Une énigme, elle aussi. Elle a su trouver son chemin dans tous les océans du monde, alors qu'elle est aveugle. Un oiseau et un crustacé. Qu'est-ce qui peut bien rapprocher deux créatures aussi dissemblables ? Les lieux qu'elles partagent. Des volcans sous-marins qui se transforment en îles. L'une dans les abysses, l'autre en surface, la crevette et la sterne ont un destin commun. Leur survie ne tient qu'à ces oasis surgies des profondeurs marines. L'océan Pacifique, un tiers de la surface de la Terre, repose sur la plus grande des plaques tectoniques, ces morceaux de croûte terrestre qui parfois s'entrechoquent. Dans la ceinture de feu du Pacifique se trouvent 90% des volcans du globe et les fosses abyssales les plus profondes. La sterne fuligineuse et la crevette d'Alvin vivent toutes deux autour des archipels nés de ces phénomènes géologiques. Par les fissures ainsi ouvertes, le sang de la Terre se déverse au grand jour. Au terme de leur voyage à travers l'écorce terrestre, les roches en fusion sont brusquement refroidies par l'océan. Tant qu'il est fluide, le magma s'écoule paisiblement. Il se pétrifie au contact de l'air, mais surtout de l'eau. De telles éruptions peuvent durer des millions d'années, comme ici à Hawaï. Les rivières de roches ignées ont créé une montagne immergée de plus de 11 km de haut. Si on la mesure depuis le plancher de l'océan, c'est la plus haute du monde. Et elle continue de grandir. Dans le cas de laves plus visqueuses, les rencontres avec l'eau sont explosives et si brèves que seuls des navigateurs de passage ont pu les saisir. En l'espace de 3 jours, cette éruption aura créé 3 nouveaux cratères. Dans l'immensité du Pacifique, il arrive que des îles surgissent loin des regards, ni vues, ni connues. Cette nouvelle terre de cendres, par exemple, n'a toujours pas de nom. Mais à défaut de nom, elle a déjà une fonction. Elle sert de repère aux nomades de l'océan. Les baleines connaissent mieux que quiconque les contrées sous-marines, vallées et montagnes, dont cette île perdue n'est que l'un des sommets. Alors que pour la sterne, comme pour nous, la géographie des reliefs de l'océan se limite aux parties émergées.
Elle pourrait s'arrêter sur cet îlot, marquer une étape dans son voyage au long cours. Mais elle n'en éprouve pas le besoin. Là encore, la sterne fuligineuse est un phénomène. Dès lors qu'elle a pris son envol, elle peut passer 4 ans dans les airs sans se poser une seule fois. Il lui suffit de pêcher du bout du bec et de dormir en vol, en bloquant ses ailes. Quand elle a perdu trop d'altitude, elle interrompt son sommeil pour ne pas risquer de toucher l'eau. Car elle ne sécrète pas assez de cette huile imperméabilisante dont les oiseaux marins enduisent leur plumage. Si elle se pose à la surface, elle s'imbibe comme une éponge et se noie. Celle-ci sera bientôt au bout du voyage. Aujourd'hui en âge de se reproduire, elle rejoint son île natale, Tofua, un des 500 volcans actifs de la ceinture de feu. Mauvaise surprise. Tofua semble dépeuplée. Pas un congénère en vue. Où qu'elle regarde, elle ne voit que des œufs brisés, vidés de leur contenu. Le volcan n'est pour rien dans ce massacre. Les coupables, les voici. Des rats. Ces envahisseurs sont arrivés ici dès le XIIIe siècle avec les premiers navigateurs polynésiens, puis européens. Ils viennent de dévorer tous les œufs de sterne et s'attaquent à présent à ceux d'autres oiseaux marins. Rien de plus facile, ils sont posés à même le sol. Sans défense contre ces pillards aux dents pointues, les sternes abandonnent généralement le terrain et vont fonder ailleurs une nouvelle colonie. Mais où sont parties celles qui nichaient à Tofua? Cette jeune femelle doit rapidement retrouver ses congénères, sinon elle manquera la saison de reproduction. Heureusement, elle découvrira bientôt à l'horizon d'autres panaches de fumée, d'autres îles. Le volcan de Tofua a donné son nom à toute une chaîne de volcans, l'arc de Tofua, un chapelet d'îlots placé sous la souveraineté du royaume des Tonga. Alignés comme les soldats d'une armée de pierre, ils sont pour la plupart immergés. Nous ne connaissons que ceux dont le sommet dépasse de l'eau. Les plus anciens ont l'âge des Alpes et proviennent, comme elles, des mouvements de l'écorce terrestre. Parfois, le sommet d'un volcan sous-marin se trouve suffisamment longtemps près de la surface et de la lumière pour qu'un récif de corail s'y épanouisse. Puis un jour, soulevé par en dessous, le volcan émerge. Sa coiffe de corail se retrouve hors de l'eau et meurt. Mais une île est née. Les buissons de calcaire seront peu à peu rongés par l'océan. Sous l'eau, l'érosion est moins féroce. Pour atteindre la base de telle ou telle île, il faut plonger à plusieurs kilomètres de profondeur. Et c'est comme si l'on changeait de monde et de règles. Dès 300 mètres, l'eau a épongé toute la lumière solaire. On ne peut observer les fantômes peuplant ces ténèbres qu'en allumant de puissants projecteurs. Sans eux, voici ce que l'on voit. Cette méduse est illuminée de l'intérieur par des bactéries. Il se produit en elle une réaction de synthèse qui transforme l'énergie chimique en énergie lumineuse.
et ce calmar bijou. C'est lui aussi un adepte de la bioluminescence. Comme presque tous ceux qui vivent dans cette obscurité profonde, il doit briller pour séduire un partenaire, communiquer ou chasser. Certains, les cténophores, par exemple, poussent très loin l'étrangeté. C'est pour mieux s'adapter à des conditions extrêmes. La température de l'eau, de plus en plus glaciale à mesure que l'on descend, et sa pression, qui atteint plusieurs centaines de fois celle de l'air que nous respirons. Longtemps, on a pensé que toute vie était impossible dans les abysses. Il s'agit au contraire du plus vaste habitat de la planète. Plusieurs millions d'espèces seraient à y découvrir, alors qu'à ce jour, on en a recensé moins de 2 millions sur l'ensemble de la Terre. La plupart de ces êtres surnaturels n'ont pas encore de nom courant. Ne sachant rien d'eux, on les désigne par des sobriquets. Voici par exemple le poulpe à oreilles. À l'abri des tourments de notre atmosphère, la nonchalance a encore sa place. La chimère spatule, cousine des requins, est un de ces fossiles vivants des abysses qui n'ont pas évolué depuis l'époque des premiers dinosaures. On imaginait que dans un milieu dépourvu de plantes, les créatures amorphes comme ce poisson grenadier survivaient exclusivement grâce à la matière organique qui tombe de la surface. C'est en partie vrai. En sombrant au fond, elle nourrit des bactéries que dévorent quelques survivants de l'ombre. Mais le fond des océans n'est pas uniforme. On y trouve des vallées, des canyons, des montagnes. Et dans la ceinture de feu du Pacifique, des montagnes très particulières. Leurs nombreuses fissures laissent filtrer l'énergie du centre de la Terre, laquelle énergie chauffe des eaux riches en sels minéraux. C'est ce courbouillon qui attire les bactéries. Elles composent ici un grand tapis blanc. L'eau est soumise à des pressions telles qu'elle bout au-delà de 100 degrés. Une fontaine de jouvence pour les bactéries. Les cousines du Bernard l'Ermite, les Galatées, hébergent et cultivent des bactéries dans les soies qui tapissent leurs appendices. C'est tellement plus commode pour les manger. Enfin, dans cette tour de Babel, il y a celles qui ont trouvé une niche étroite au cœur des eaux tièdes. Les crevettes d'Alvin, du nom du sous-marin qui les a récemment découvertes. Elles se font un plaisir de nettoyer les résidents de ces oasis blanches. Les galatées, moules et autres crustacés anonymes sont couverts d'animalcules fort nourrissants. Dans les abysses, la couleur des crevettes varie du blanc au rouge, selon que la matière organique qu'elles absorbent provient de la surface ou des bactéries. On dit les crevettes d'Alvin aveugles, mais en réalité, leurs yeux se sont adaptés aux conditions de vie des abysses. Si elles ne voient pas la lumière solaire, on pense qu'elles perçoivent à courte distance les faibles rayonnements infrarouges, comme ceux qui sont émis par l'eau chaude. Toute proportion gardée, c'est le phénomène du fer ardent. Quand on le chauffe, il irradie une lumière orangée. Les crevettes sont ainsi renseignées sur leur environnement. Dans une eau trop chaude, par exemple, elles n'ont aucune chance de trouver des moules à ébarber, car celles-ci ne vivent que dans des eaux à 10 ou 15 degrés. Au sortir des cheminées hydrothermales, les eaux chaudes moins denses que l'eau glacée ambiante s'élèvent rapidement.
Elle constitue de puissants ascenseurs dont profitent parfois les fantômes des abysses. C'est au pied de ces catapultes naturelles que les crevettes d'Alvin festoient. C'est également ici qu'elles sèment la prochaine génération. Quelques milliers d'œufs éclosent en quittant l'abdomen de leur génitrice. On appelle Zoé ces larves de crevettes. Quand les eaux chaudes crachées par les cheminées se dissipent dans la masse de l'océan, les jeunes crevettes sont emportées par les courants marins. Livrée sans défense à tous les appétits, la zoé est infiniment vulnérable. Heureusement, au contraire de ses parents aveugles, elle possède de grands yeux à facettes tout à fait fonctionnels. Mais à quoi peuvent-ils bien lui servir, puisque les sources hydrothermales la propulsent dans le noir infini? À repérer par exemple les créatures bioluminescentes, comme cette méduse cube, qu'il faut si possible éviter à cause de ses longs tentacules venimeux. Autre danger en vue. La méduse Atolla et son incroyable gyrophare. Ce sont parmi les plus gros prédateurs dont la zoé doit se garder. Mais elle se trouve déjà dans le zooplancton, cette soupe grouillante de larves et d'animaux qui s'entre-dévorent, les plus abondantes étant les larves de copépodes. Elles ne sont pas lumineuses, toutefois, leur nage saccadée émet des vibrations qui permettent à la zoé de les localiser dans l'obscurité. La zoé, elle, est plus discrète dans ses déplacements. Elle possède sur ses pattes des soies plumeuses faisant office de rames rudimentaires. C'est suffisant pour esquiver des prédateurs aussi indolents que la badège boulotte. Mais voici un ennemi autrement plus dangereux. Le calmar de verre. Il utilise sa transparence comme camouflage. Cependant, la zoé perçoit très bien deux ronds lumineux, les yeux du calmar dont la rétine opaque réfléchit la moindre lueur. Une autre chose trahit le calmar translucide, la poche opaque en forme de cigare qui lui tient lieu de rein et d'estomac. Curieusement, cette glande est toujours verticale, quelle que soit la position du calmar. Malgré ses minuscules rames, la zoé n'a pas de réelle autonomie. Elle est soumise à la même condition que la grouillante communauté du plancton, celle de l'errance aléatoire. Les courants l'entraînent parfois dans d'invisibles rivières sous-marines qui épousent les reliefs des abysses. Rivés sur le fond, les gorgones et les crinoïdes, lointains cousins des oursins, happent au passage ce flux de protéines. Telle est leur vie depuis plus de 400 millions d'années. Lorsque ces rivières butent sur les flancs d'un volcan sous-marin, elle remonte vers la surface, entraînant avec elle le zooplancton.
La zoé parvient jusqu'à la zone photique, c'est-à-dire les couches dans lesquelles pénètrent les rayons du soleil. Même si ses yeux sont adaptés à la lumière, ce monde n'est pas le sien. Aussi, dès qu'elle n'est plus portée par les courants ascendants, elle cherche à redescendre dans les ténèbres, le domaine où s'opérera sa métamorphose. Pendant ce temps, la Sterne sillonne toujours l'océan en quête de ses semblables. Elle a mis le cap sur une autre île déserte de l'arc de Tofua, Hunga Tonga, la montagne des Tonga. Désertée par les hommes, cette parenthèse de verdure en plein océan n'en est que plus attirante pour les Sternes. Une foule inespérée. Elles doivent être plusieurs milliers. Après ces longs mois passés en vol, les choses iront très vite pour la jeune femelle. Mettre un peu d'ordre dans son plumage, trouver un partenaire pour toute la vie, se reproduire, pondre. Mâles et femelles se relaient auprès de l'œuf. C'est la règle. Et déjà, la voilà repartie pêcher. À charge pour le mâle de veiller sur l'oisillon à venir. Juchée sur une noix de coco, la femelle guette le signe qui annoncera un arrivage de poissons. Un premier repas pour le petit ogre qui, sur l'île en son absence, a déjà éclos. Sur ce terrain de pêche sans limite, les monts sous-marins sont les alliés des Sternes. Le long de leur pente remonte la manne des profondeurs. L'afflux de plancton attire des poissons. Mais il en faut davantage pour que la Sterne repère la zone de pêche. Pour l'instant, rien ne paraît en surface. Suivant son instinct, elle épie la moindre déformation de l'onde à l'horizon. Voici enfin un indice prometteur. Les remous provoqués par quelques grands prédateurs en maraude. Les requins de haute mer, comme ces requins soyeux, sont au sommet de la chaîne alimentaire des courants ascendants. Ils encerclent les bancs de poissons occupés à se gaver de plancton et les poussent vers la surface. Rassemblés en un groupe compact sous cette barrière naturelle, les poissons sont plus faciles à dévorer. C'est cette agitation qu'a repérée la Sterne. Mais les poissons restent pour l'instant inaccessibles pour elle comme pour toutes les Sternes fuligineuses qui ne doivent pas plonger. Par chance, d'autres grands poissons vont projeter les petits à travers le miroir. Des thons. Que le festin commence.
Notre Sterne a le gosier chargé de poissons. Il lui faut à présent le rapporter aussi frais que possible à son poussin, et donc retrouver le plus court chemin vers Unga Tonga. Pour se repérer, elle se fie aux astres et au soleil. On pense même que son cerveau est capable de détecter le champ magnétique de la Terre. C'est un peu comme si elle naviguait à la boussole et au sextant. Juste au-dessous d'elle, mais à des milliers de mètres de profondeur, la larve de la crevette d'Alvin est devenue adulte en voyageant à travers son firmament sous-marin. Ce qui la sauve des humeurs changeantes de la Terre. La source hydrothermale où elle avait éclos s'est tarie. Plus d'eau chaude, ni de minéraux, plus de bactéries. La blanche vallée des crevettes d'Alvin ressemble à un cimetière. En pleine eau, la crevette n'est guère moins vulnérable adulte qu'à l'état de larve. Car en se métamorphosant, ses yeux se sont atrophiés comme ceux de ses parents et sont devenus insensibles à la lumière. Ainsi, elle ne voit pas approcher cet avocet ruban, 1,20 m de long, 750 vertèbres. Un record dans le monde animal. Une anguille munie d'un bec d'oiseau. Sur chacun de ses flancs, une ligne latérale, un radar filiforme, détecte les vibrations émises par ses proies. Ce qui va sauver la crevette d'Alvin, c'est sa façon toute particulière de se déplacer. En agitant souplement ses petites rames au lieu de nager par saccades comme ses cousines, elle devient furtive, donc imperceptible pour l'anguille. Elle ne peut pas voir non plus les dangereux filaments des méduses. En revanche, dans ce champ de mine plongé dans le noir éternel, elle détecte grâce à ses antennes leurs vibrations convulsives. Ses antennes décèlent aussi autre chose, de lointaines détonations. Son instinct l'engage à nager vers l'origine de ces sons. Ils semblent provenir des pentes d'un mont marin, où les courants ascendants deviennent turbulents. La voici embarquée dans cet ascenseur. Sur ces pentes, d'étranges radars tentent de capter les dépêches des abysses. Ce sont des tuniciers prédateurs. Totalement invisibles aux yeux de la crevette, imperceptibles à ses antennes. La crevette nomade a échappé à ses bouches goulues. Était-ce bien la dernière épreuve? Il est rare que les crevettes aient autant de chance. Des millions de larves disparaissent avant même d'avoir accompli leur métamorphose. Emportée maintenant vers le haut de la colline, la miraculée perçoit un effluve de soufre de plus en plus prononcé, et les détonations semblent se rapprocher. Elle distingue enfin un léger rayonnement infrarouge qui, comme près des sources hydrothermales, trahit la présence d'eau chaude. Au sommet, l'énigme se dénoue sur un spectacle pyrotechnique inédit. Une éruption volcanique abyssale.
Avec la pression phénoménale et le froid qui règne ici, les blocs de lave projetés se solidifient instantanément. Gaz dissous et grains de cendre s'accumulent dans le panache. On estime que les trois quarts des roches et des gaz crachés par la Terre proviennent de ces volcans sous-marins. Chaque année, nombre d'entre eux s'embrasent dans la plus grande discrétion. Leurs volutes se dissipent subrepticement dans l'océan. Du bruit, donc des vibrations. Un panache, donc du soufre. De la chaleur, donc un rayonnement infrarouge. De quoi stimuler tous les sens de la crevette d'Alvin. Un nouvel habitat. La crevette s'y installe. Sur les flancs de ce volcan, l'eau froide sous pression pénètre dans les fissures de la roche et se réchauffe au contact du magma. Elle en ressort acide et minéralisée. Singulièrement, les crevettes d'Alvin prolifèrent ici, alors qu'elles n'y trouvent pas la moindre moule. Les eaux réchauffées par le magma ressortent tellement acides que les moules ne peuvent y construire leurs coquilles. Alors comment se nourrissent les crevettes? En jouant les ramasse-miettes, des crabes pullulent autour des sources hydrothermales. Des hordes de cannibales. Les crevettes d'Alvin se tiennent près des crabes lorsqu'ils mangent, pour happer à l'aveugle les miettes de chair qui leur échappent. Voilà pour la nourriture ordinaire. Mais certaines crevettes les plus chanceuses trouvent d'autres mets. Pourquoi les plus chanceuses? Parce que rares sont celles qui survivent aux éboulements volcaniques soudains et violents. Nombre de crevettes meurent brûlées à l'acide, écrasées par des scories ou bouillies vives. Leurs congénères rescapés s'empressent de les dévorer. La grande gagnante de ce concours de survie est une crevette d'Alvin qui s'offre un festin cannibale. Des crevettes d'une autre espèce, plus petite. Après cela, elle aura peut-être la force de défier les courants qui accompagnent l'ascension du volcan. Les volcans sous-marins sont soumis comme les autres aux lois de la gravité. Malgré ces éboulements, ils progressent sur une base solide, construisant peu à peu un cône qui peut-être atteindra un jour la surface.
Il y a de grands bâtisseurs parmi ces volcans. Ainsi le métis Shoal qui a fait surgir sa forteresse dans l'arc de Tofua. Ces roches riches en silice, très compactes, résistent fort bien à l'érosion marine. Un nouveau relief sur la surface plane de l'océan et un repère de plus pour les navigatrices comme la sterne fuligineuse. Sans prendre le temps de faire halte sur cette nouvelle terre, elle poursuit sa route vers le havre de Hunga Tonga, où elle doit nourrir son poussin et prendre le relais de son partenaire. La montagne de Tonga semblait un lieu sûr. C'est oublier qu'elle était aussi un volcan. Un volcan qui s'est brièvement réveillé pendant que la sterne pêchait. Ses congénères ont disparu. L'île s'est offert une extension sous la forme d'une terrasse de cendres agrémentée d'une piscine d'eau acide. Les travaux d'aménagement n'ont duré que quelques jours. La piscine chauffée est circulaire comme un cratère. Au-dessus de l'eau bouillante, l'air se charge de vapeurs sulfurées délétères. Hunga Tonga n'est plus un refuge, mais un lieu terriblement hostile. Des pierres ponces témoignent de la violence de l'explosion, qui a surpris les oiseaux et anéanti la végétation. Des répliques de tremblements de terre secouent encore les falaises. Presque toute l'île est couverte d'une couche de cendres brûlantes. Beaucoup de jeunes sternes et leurs parents ont péri dans ce cataclysme. Le poussin et le compagnon de la femelle sont-ils au nombre des victimes ? Plus une feuille aux arbres. Partout des œufs abandonnés. Seuls quelques oiseaux réfugiés en hauteur ont résisté. Son poussin qui nichait à même le sol est introuvable. Quant à son partenaire, peut-être s'est-il échappé avant d'être asphyxié par les fumées nocives. Mais ce pépiment, la sterne le reconnaîtrait entre mille. C'est la signature sonore de son oisillon. Il l'appelle. Mais où est-il ?
À l'abri de cette scorie, il a été épargné par la pluie de cendres et le soleil cuisant. Son père, lui, n'a pas survécu. Pour nourrir son poussin, la mère ne peut désormais compter que sur elle-même et sur l'océan. Un spectacle inhabituel si près du rivage. Les chandelles des baleines à bosse. Ces femelles ont quitté l'Antarctique il y a quelques semaines pour aller mettre bas dans les eaux chaudes des tropiques. Un très long voyage pendant lequel elles jeûnent, à l'aller comme au retour, vivant sur leurs réserves de graisse. Elles doivent donc économiser leur énergie. Par un heureux hasard, celles-ci sont passées près de Hunga Tonga, juste après l'éruption. Les eaux qui entourent l'île sont aussi chaudes que celles des tropiques. Aussi, les baleines décident-elles de mettre au monde leurs petits, ici même. Des nuages de soufre auréolent Hunga Tonga depuis son éruption. Ils sont alimentés par des bulles de gaz qui transpirent sur les flancs du volcan. C'est le même phénomène que celui des sources hydrothermales des abysses. Seule la profondeur change. Les eaux, même les eaux de surface, sont réchauffées là aussi par leur contact avec le magma. Heureuses les baleines à bosse qui ont pu raccourcir leur voyage. Elles auront davantage de temps pour folâtrer avec leur nouveau-né, avant de se laisser séduire par les cabrioles des mâles. Pour insolite qu'il soit, ce spectacle ne détourne pas la sterne de son objectif. Elle a son petit glouton à nourrir. Mais il n'est plus question de s'éloigner des jours durant pour aller partager les festins des thons. Heureusement, juste au pied de l'île calcinée, cette même éruption qui a tué tant de sternes a également stimulé la vie. Sur ces pentes ancrées dans les profondeurs, les eaux ressortent chaudes et chargées de minéraux après leur intrusion dans la roche en fusion au cœur du volcan. De nouveau, les bactéries forment le premier maillon d'une chaîne alimentaire portée par des tourbillons ascendants. Cette fois, à cause de la partie émergée du cône, les courants et tout ce qu'ils charrient remontent jusqu'à la surface. Ces eaux bleues qui fendent les nappes sulfurées viennent directement des abysses. Dès le coucher du soleil, une patrouille colorée surgit des profondeurs, rejoint ce mouvement montant. Des calmars. Plus qu'une patrouille, une armée entière venue prélever un maillon de la chaîne, les innombrables poissons. Au clair de lune, ils chassent là où les courants s'arrêtent, juste sous la surface. Ces noctambules gardent leur mystérieuse habitude et revêtent leur habit de lumière. Les scintillements n'échappent pas à l'œil des survivantes de Hunga Tonga.
À l'aube, tous les navigateurs regagnent leur port d'attache. Le poussin voit déjà revenir sa mère. Elle a le gosier rempli. Mais de quoi ? C'est un trésor des abysses qu'elle lui apporte. Du calmar bijou. Chaque petit cri de la jeune sterne est un stimulus invitant sa mère à régurgiter. Un poussin est capable d'engloutir plus du tiers de son poids en un seul repas. Et il lui en faut un toutes les 16 heures. Faute de partenaire pour la relayer, la mère devra constamment pêcher pour l'approvisionner. Cette abondance de nourriture facilement accessible explique pourquoi tant de sternes fuligineuses choisissent d'élever leurs petits sur ces imprévisibles oasis. Nicher sur une île volcanique est risqué, mais pouvoir pêcher tout près de la côte et à la surface de l'eau est un précieux avantage pour un oiseau qui ne doit pas mouiller ses plumes. Les crevettes d'Alvin sont irrésistiblement attirées par ce même volcan, comme les sternes. Elles peuvent y trouver à la fois la mort et la vie. Mais les crevettes savent, elles aussi, tirer parti des habitats créés par les éruptions. Sur les pentes sous-marines, la nouvelle génération livre déjà des milliers de zoés aux courants ascendants. L'objectif de ces jeunes pionnières ? Se nourrir et grandir, mettre à profit leur sens exceptionnel pour trouver le chemin des sources vitales. Mais rares sont celles qui redescendront saines et sauves. Les plus petites se feront dévorer par les plus grandes. D'autres seront aspirées par les courants. Comme les volcans sous-marins auxquels elles doivent la vie, elles vont rencontrer pour la première fois le monde de la lumière et ses dangers.